Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Captive Minecraft. Les amis, on se retrouve, petite pioche en main, on ressort au KLM et on va aller récupérer des ressources. Alors je croise du charbon, je prends du charbon, je suis quelqu'un de très manipulable, mais je suis quelqu'un surtout qui se dit que derrière ce charbon il y a peut-être le fabuleux métal, aussi appelé écaillé, comme on dit dans le milieu, le fer. Et il m'en faut du fer, il m'en faut pour plein de choses, et on va en faire des choses, donc il faut continuer. Cette phrase était beaucoup trop longue, mais vous avez compris le principe. Donc on va descendre, l'idée c'est toujours de trouver du fer pour aller faire des cisailles. Et avec des cisailles on va aller plus loin, on va faire reproduire nos vaches aussi en haut. Je crois qu'il y en a déjà une qu'on a fait reproduire, je ne sais plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette map. En ce moment il y a plein de tournages, plein de trucs que je vous prépare les amis. Je sais pas si vous avez remarqué, donc pas sur cette série là pour le coup, mais sur d'autres séries on a des montages un peu plus condensés qui arrivent. Et bien, il y a d'autres trucs encore plus dans ce délire là et plus travaillés sur Minecraft toujours qui arrivent très bientôt. Donc voilà, plein de petites surprise, je bosse dur parce que ça m'éclate en ce moment et j'avais perdu une petite flamme, vous savez, ce petit truc un peu magique qu'il faut des fois pour bien bosser. Et là c'est revenu à 2 milliards de % les amis, et 2 milliards de % c'est plus que 8%, donc ça veut dire que forcément c'est bien, si c'est plus que 8 c'est que c'est bien. Bref, donc continuons nos objectifs. Je vais peut-être faire quelques lives Captive Minecraft aussi, j'ai eu l'idée, pas sûr que je le fasse, hein, le prenez pas en acquis, mais l'idée traîne comme ça dans mon petit cerveau de personne un peu étrange. Tac, on met des torches, merci. Toujours le bouclier en main, c'est important. Et on continue de se balader pour trouver du fer. Alors je suis vraiment en minage random, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est comme ça que ça marche avec Captive Minecraft. Tu mines comme un abruti et tu trouveras tout ce qu'il te faut, mon ami. Le bonheur sera à tes pieds. Et c'est ça que tu veux, bordel. C'est ça que tu veux. Ok, je sais pas du tout où on est, mais il va falloir y descendre. Et ça a l'air fort sombre. Ok. Ok, ok. On n'a plus de torches. Mais est-ce qu'on a pris du bois avec nous? C'est bien ce que je me disais, on a pris du bois avec nous. Vogel. Vogel, mes amis les mobs. Ok. Et donc là, je suis pas accessible. Ha. Voilà, les techniques de quartz level 1 milliard. Très bien, merci. Et là, je peux redescendre. Alors, ça a juste fait une fenêtre. Oui, ça a juste fait une fenêtre. On s'en fout. Personne ne va nous emmerder à cause de ça. Ouh, la réactivité de ce petit bonhomme. Petit bonhomme, calme-toi. Merci. Alors là, on va forcément trouver du fer. Si on ne trouve pas de fer ici, c'est vraiment du vol. Ok. 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 Fout trop bas tout ça. Le airshot des familles, merci. Ok. Allez, le creeper là, s'il te plaît. Il croit que je ne l'ai pas vu. Il est mignon ce creepouze. Il est mignon ce petit creepouze. Allez, on mange un petit coup. On a récupéré les amis masclés qui traîne ici, dont se fout littéralement perso, mais bon elle est là, enfin on s'en fout pour l'instant, j'ai envie de dire. Je sais pas si, je crois qu'ils en ont même pas éclaté une seule miette. Et on est descendu, on est en 92, je crois que c'est la première fois qu'on descend aussi bas, sauf qu'on a absolument pas fait exprès là. Si on a dépassé la lave, c'est qu'on l'a contourné de manière assez honteuse sans que je m'en rende compte. J'ai des pioches d'avance, hein, je vous rassure. Oh, qu'est-ce qu'on a là, les amis? Je crois qu'on a trouvé la suite de la map déjà conçue. Ici, on a de la neige. Neige qui peut être utile pour différents usages. Hop là. Et on est dans un bâtiment chelou auquel on ne peut pas accéder comme ça. Attendez, si je peux pas y accéder comme ça, je répare. Eh, c'est mort. Je détruis pas le décor juste pour le plaisir. Ok. Voilà, et on va essayer de descendre ici. Ah, mais ici ça abîme le décor. Mais ça abîme le décor partout. Faut que je retrouve une entrée. Oh. Attendez, on va trouver une entrée. On va trouver une entrée. De la neige. Encore de la neige. Donc si on a besoin de neige, on a un accès ici. L'accès le plus discret au monde. Pas de soucis. On va pas faire fondre notre neige. On n'est pas des tags. Hop là. Non, mais ça fait tout le tour. Ça fait clairement tout le tour. Voilà, ici on y est, c'est très bien. Winter Vault! The Winter Vault is locked.
C'est-à-dire que comment ça il est verrouillé? Ah ok, donc on est sur une zone, les amis, qui n'est pas accessible. Mais ça ne se voit pas qu'elle n'est pas accessible en fait. C'est une illusion d'optique, on a l'impression qu'elle est accessible, mais en fait non. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se barrer et continuer notre épopée plus loin, beaucoup plus loin, pour l'esquiver. Alors le mieux je pense pour nous, pour croiser le plus de minerais, si minerais il y a, ça va être de faire le tour complet. Comme ça donnera aussi une zone un peu plus découpée tout le long, etc. etc. Donc pratique. Et en plus ça va nous permettre de... Là, vous l'avez vu, là on n'est plus sur la zone de la chianteur, donc on peut redescendre pas trop en fait. Excusez-moi. Excusez-moi, je détruis là ma place, ça y est. En fait, je vais passer par là et on se reparle plus tard. On se reparle plus tard en cas de besoin, mais là voilà, je suis en galère. Je réparerai peut-être un jour. Ah, le petit minerai de fer qui se met, les deux petits minerais de fer qui se mettent à notre endroit préféré, c'est-à-dire un endroit non accessible. Oh, le bordel, le swag, la déception, surtout la déception. Vérifions de l'autre côté que j'ai rien loupé, mais... Non, non, non. J'ai regardé plus haut parce que j'ai cru voir un truc plus haut. Donc c'est aussi le problème hein, de se mettre à la bordure la plus borduresque, c'est que tu te fais souvent brainer. Mais c'est pas grave, Thug Life, tout ça, tout ça. Il faut absolument qu'on trouve du diamant. On est encore en couche 72, mais on va descendre aujourd'hui, les amis. C'est après-midi minage, après-midi je mine. Après-midi je mine, je mine, je mine. Et on trouve enfin du fer. J'ai eu peur. J'ai genre, non, il ne faut pas que je le casse avec ça. Oh là là, je ne vais pas l'avoir sinon. MDR. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Hop là, on est bien là. Là, on est très très bien dans le fair game. Alors, le fair game se passe excellemment bien. Alors, est-ce qu'on continue plus loin en mode le fair game c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie, je veux du diamant? Ou est-ce qu'on se dit, ça y est, j'ai dépassé les limites, je devrais remonter, faire les choses étape par étape? Moi, je pense qu'on est relativement pas loin du diamant. Et en tant que gens pas loin du diamant, on devrait quêter au diamant. C'est ce qui me paraît le plus logique. Qui me paraît le plus logique. Bah. Ok, c'était de la merde. Très bien. Il y a des trucs à droite. Il y a des trucs à droite. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Bof. Est-ce que je vais quand même y aller parce que j'ai pitié? Malheureusement, je fonctionne comme ça. Hein. Donc on va, il m'a eu à la pitié. On va quand même aller voir ce qui s'y passe. Et si je trouve pas au bout d'un certain temps, je me barrerai. Ce certain temps peut s'arrêter à n'importe quel moment. Par exemple, là, j'allais me barrer. Voilà. Là, j'allais me barrer. On est arrivé au moment où j'allais me barrer. Je suis encore pas sûr qu'il y ait des mobs ici, en fait. Oh. Vous êtes ici. Non, mais non. Écoutez, les araignées m'ambiancent pas de base. Là encore moins, je vous le dis tout de suite. Ok. Et merde. Je pensais pas qu'il allait exploser d'aussi haut. C'est pas très grave, y a pas mort d'homme, hein, mais on a perdu un petit peu de ressources. Tac, tac. Là, comment enlever une source de lave de manière complètement honteuse? J'ai posé la mienne dessus et je l'ai enlevée. Y a pas du diamant en dessous. Non, parce que je dis ça, mais il est fourbe le mappeur. Il est clairement fourbe, à force je le connais. Attendez, attendez, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de diamant en dessous. Ça veut juste dire qu'il les a pas mis en surface. Bon, ok, c'est un élément quand même. Attendez, on va creuser 200 blocs et on verra s'il n'y a pas de diamant en dessous. On verra. Non, non, on continue. On continue. Ah, c'est un épisode. Qui commence en tout cas par du minage. Oh! Salut zombie. Attends. Zombie, j'ai pas envie qu'il y ait d'embrouille entre nous. Voilà. Ok. Non, t'as pas envie d'être mon ami ici? Ok. Donc pour l'instant, avec des zombies, c'est facile à buter, même de là. Surtout de là d'ailleurs. Hop, allez, vas-y, restez comme ça. Il n'y a pas trop de risques à prendre pour l'instant. Silverfish de merde. Très bien. Et donc, on a accès à ce portail. Donc, il manque des yeux. Mais au moins, on l'a trouvé. Et c'est un bon point, les amis. On sait où il se trouve. Et qui y a-t-il devant? Il y a une forteresse un peu protégée, je suppose. Le coup de pioche plutôt honteux. Hop là. Diamant, dis-moi qu'il y a du diamant. Non, mais il y a un protection 2 sur un livre d'enchant.
Et bah écoutez, pourquoi pas? Je vais me permettre aussi, moi de mon côté, de stocker des trucs ici. Voilà, on va pas se mentir, à un moment c'est la galère pour tout le monde. Hein, on vit tous dans le même monde avec tous les mêmes problèmes. Ne me jugez pas, je ne vous jugerai pas. Voilà, laissez-moi stocker tout ça. Ici, je récupère la bouffe de zombies parce que c'est pas cher. Ok, et je peux continuer mon chemin ici, parce que je suis quelqu'un de très utile et agréable. Donc voilà, il y a un coffre ici, je m'installe. Et d'ailleurs, on va vraiment s'installer, attendez. Ah, j'ai même pas pris le bouquin au final. On va vraiment s'installer. Hop là, attendez, fermez cette porte, au cas où il y a des zombies. Bon, ok, ils vont la péter, mais c'est pas grave. Au moins, ça fait fi de... Hop, on est là, on est Al, frère. On met deux charbons, voilà, ça va cuire 16 trucs, on en a mis que 13. Mais c'est pas grave, le taf est fait, et au moins quand on va remonter, ce sera cuit. Après ce demi-épisode, les amis, on commence à avoir quand même pas mal de petites ressources. Et c'est fort sympathique dans le milieu du sympathique, si tu vois ce que je veux dire. Ok, on redescend. On redescend et on trouve du fer. Très bien. Donc la frustration classique... Allez, vas-y. Menace d'exploser. Ok. Ok, il y a du diamant en bas. Ok, là, faut prier pour qu'ils me suivent. Ok, ils m'ont suivi. Vas-y, viens, mon bichon. Ok. Ok. Alors, il faut analyser, les amis. Voilà. Décède. Il faut analyser et prier notre race pour pouvoir descendre. Si on peut descendre, on a du diamant en bas. Si on a du diamant en bas, on est stuffé. S'il y a le moindre risque, on n'ira pas. J'annonce. Ok, pour l'instant, j'ai besoin d'agrandir encore la zone. Visiblement. Pour pouvoir trouver un accès legit. Qui est légitime. Là, visiblement non plus, on n'a pas d'accès. Mais on va quand même vérifier, les amis. C'est aussi le projet. Pour des raisons évidentes de sécurité... Parce que je flippe ma race. On va se bloquer du monde extérieur. Donc le seul monde extérieur, c'est celui-ci, voilà. Ok, donc là on peut descendre. C'est pas hyper legit, c'est pas hyper safe. Mais on peut. Ok. Très bien. Ok, c'est pas jouable du tout. C'est pas jouable du tout pour l'instant. On a des trucs déjà, on a récupéré de l'équipement, on a récupéré des petits bidules un peu partout. Alors on va prendre de risques bêtes et inutiles. Ce serait fort dommage. Ce serait fort dommage. Voilà. Et voilà, on a un petit mur de protection en plus. Donc c'est nickel, on peut remonter, les amis. C'était pas... C'était un petit peu risqué, c'était un petit peu risqué. Là, mon chat, c'est bien pour notre bouffe. On récupère ici, on a notre fer, c'est très bien. On laisse évidemment ça installer là. Épée en main, toujours, la base, le B.A.B.A.S. Et on est bon, on peut remonter jusqu'à l'infini et au-delà. Alors là, en temps nécessaire pour remonter, il y a environ 2 semaines. Hein. Vous vous en doutez, et on n'est pas à l'abri quand même de croiser quelques petits mobs. Et on n'est surtout pas à l'abri de se paumer honteusement, sans trop savoir d'où on vient, alors qu'en fait, c'est évident. Alors le chemin qu'on a fait par contre est assez linéaire. On n'a pas eu trop d'hésitation, trop de trucs comme ça. Ce qui fait que... Hop là. Ce qui fait que si on veut remonter plus tard, et quand je dis plus tard, c'est dans le futur, normalement, on pourrait s'en sortir pour descendre assez aisément et assez rapidement. Donc, ce serait un bonus sur le long terme plutôt utile. L'accès, on l'a de ici, à la zone au diamant. Et ici, c'est une zone où on va être amené à revenir. Ici, tout droit, ça doit être la suite. On doit remonter donc par là. Est-ce qu'on ferait pas un escalier?
Bon, c'est pas très joli, hein, mais c'est pas pour la beauté qu'on fait ça. C'est pour l'aspect utile. Et l'aspect utile, il est là, frère. Il est là, ici, on a notre petit accès derrière. Derrière quoi? Derrière ici, voilà. Ok, merci, calmez-vous bien. Donc, juste à côté, et là, on peut remonter au KLM, voilà. Avec petite installation de lumière au KLM. Et on rentre chez nous. On rentre chez nous par là, nickel. C'est parfait, tout est maîtrisé jusqu'à présent. On remonte, on surveille, on a peut-être loupé des trucs. Alors, il y a du charbon, ça, je le vois. Mais le charbon nous intéresse pas tant que ça, hein, pour être tout à fait honnête. Ici, on ne vient pas de là où ça a explosé, je ne sais plus, je ne pense pas que ça a explosé ici. Alors, venir d'ici, c'est déjà beaucoup plus crédible. Là. C'est le cas? Oui. Oui, d'accord, j'ai pris beaucoup de risques et j'ai fait beaucoup de trucs étranges, mais c'est le cas. Voilà. Ok, on est bon, on finit de créer juste un accès propre. On le fait vite, hein. On le fait très très vite, bon, on s'en tape un petit peu, j'ai envie de vous dire. Mais c'est quand même important. J'ai vu une araignée, excusez-moi, je suis complètement dingue. La sécurité, toujours la sécurité, le petit plot de contrôle, voilà, très important le petit plot de contrôle. Et on remonte épée à la main toujours pour ne pas mourir dans d'atroces souffrances et dans d'atroces souffrir. Voilà, c'est des choses qui arrivent, la souffrir atroce, souffrir atroce, atroce souffrir. Souffrir beaucoup. Donc, on remonte. Là, j'ai pris littéralement des chemins au pif. Mais de toute façon, la strat, ce sera de descendre toujours plus bas. Et ça va nous carry. Et d'accord, c'est cet endroit-là. Donc, on va mettre le pénis de gravier en forme de flèche. Alors, celui-ci, très technique. Très, très technique. Voilà. Petite flèche qui pointe vers le bas. Et là, les gens sont là, genre, ah bah oui. Ah bah oui. Flèche qui pointe vers le bas. Oui. On dirait un peu l'Antéchrist aussi. Bon. C'est une façon de voir les choses. Merci, c'est par là que je vais. Très bien, c'est par où la suite? Donc là, dans les achievements, on a encore des trucs à faire, beaucoup de trucs à faire. Là, on bosse entre guillemets pour nos achievements, mais un peu de loin. J'ai pas envie de vous mentir, un peu de loin, parce que ce qu'on va faire là, c'est intéressant pour récupérer de la laine. Et la laine, ça peut être utile des fois. Non, et ça va nous permettre d'avoir du cuir aussi, de tuer des vaches. Enfin, il va y avoir plusieurs usages, hein, à cette petite cisaille que nous allons nous crafter avec notre nouveau fer. Donc ça va être assez utile normalement et assez pertinent. Du moins, je crois. J'allais manger mon steak parce que j'ai un peu de steak sur moi, vous le voyez. Mais en fait, c'est con. On va utiliser plutôt nos petites vaches avec nos petits bols. Petite soupe de champignons en. C'est bon les champignons, c'est bon, bon, bon. C'est bon les champignons, c'est bon, bon, bon. Lui, il s'est enfui, lui. Hop là, merci bien. Et ton corps est un self, parfait. Ton corps est un self, j'ai dit merci. Nickel chrome. Ok, donc il y en a beaucoup aussi qui m'ont conseillé de ranger mes coffres parce que ça va être le bordel si je ne le fais pas. Vous avez raison, il va falloir qu'on les range, ces bordels de coffres. Bah non, ça ne marche. Ah si, ça marche. Je pensais que c'est. Je savais plus si c'était 4 ou plus. Hop là. Alors, voilà. Bonjour, donnez-moi votre laine. Oui, c'est vrai. Voilà, vous en avez qu'une. Vous en avez qu'une. Très bien, bonne journée, au revoir. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère un nonos, on le transforme comme ceci. On fait bim, bim. Un autre qui a bien poussé déjà, bim. Et un autre qui a bien poussé, bim. Okay, ça servait à rien au bout d'un moment. Hein. Je vais pas vous mentir, je l'ai fait pour le plaisir à la fin. Hop là, hop là. Et on a perdu de la bonne mille, mais c'est pas grave, on la récupère après. On récupère ça après. Du blé, on en avait déjà visiblement. Allez, copuler. Vous copulez et oh, repopulation. On a eu un achievement, les amis. Et pas des moindres repopulations, c'est sympathique. Et on va en avoir un autre en faisant zglu. Alors, ce qui vient de se passer est un spoil. Ce qui vient de se passer est un spoil, mais pas un spoil complet. Ressource pack, voilà, on enlève le ressource pack de Mizzle 3. Ça arrive à un moment, ça arrive bientôt, mais pas si bientôt que ça. Hein. J'ai pas envie de vous mentir. J'ai clairement pas envie de vous mentir, ça arrive pas si bientôt que ça. Tac, tac. Et donc maintenant, si je ne m'abuse, si on va dans les ops, dans les achievements, pardon, et qu'on fait avoir du cuir, on l'a. Et avoir du cuir, on l'avait en fait.
Oui, je ne savais pas. Ok, donc c'est pas grave. On va avoir Pouf. Non, je peux pas avec un adulte. Pouf avec lui. On a deux gros sauvages de type qualitative. Et voilà. Et en bas, on a un bébé. Un petit bébé vache champi. Qui, quand il sera grand, pourra coucher avec sa mère ou son père. Je ne sais pas, je n'ai pas les détails de leurs moyens de reproduction. Mais je ne doute pas de la qualité de cette reproduction. Les amis, c'est ici qu'on va se laisser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des astuces liées à un mod. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, l'inventory Twix. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a un mode Minecraft qui te permet d'avoir un truc pour ranger ton inventaire et pour ranger tes coffres. Si ça marche en 1.10 et si vous avez le nom, je serais ravi de l'avoir. Comme ça, on rangera nos coffres un peu plus tranquillement ou s'il y a des nouveaux trucs. Hein. Évidemment, je ne peux pas être au courant de tout, surtout niveau mod. Bref, les amis, on se laisse et on se dit à la prochaine. C'était Unstar Bleacher. Oh yeah, allez, bye bye.